Bon, après avoir donc établi la relation suivante, pour rechercher un réel, voilà, c'est racine cubique de 1/2 moins 1 cube plus racine carrée de delta sur 27 plus racine cubique de 1/2 moins 1 cube moins racine delta sur 27. Bon, alors maintenant je vais les scinder parce que je vais chercher les racines complexes. Pour ça, je vais rechercher les racines cubiques de l'unité. La racine cubique de l'unité, vous voyez dans le cercle, dans le petit cercle, il y a les racines cubiques de l'unité, vous pouvez les apercevoir. Et je vais aller chercher, donc, ce que je les ai, oui, mais j'ai besoin des conjugués. Donc, j'ai besoin du conjugué de 2z7. Du conjugué de z 8 et Z9. J'ai les trois conjugués. Maintenant, je vais multiplier une partie de ceci. Bon, il faut que je scinde. Bon, pour ça, je vais dupliquer. Saisie. Enlever cette partie-là. Voilà. Et celui-ci, je vais faire fois z7. Quoique, bon, j'avais pas besoin de scinder. J'avais pas besoin de scinder. J'ai pas besoin de scinder. Je vais recommencer. Je vais pas le calculer en partie, je calcule directement en tout. Donc, je vais rechercher. Je duplique. Alors ici je vais mettre le conjugué de Z7. Bon, pour ça il faut que je cherche. Non, mais s'il ne me donne pas Z. Z7, le conjugué de Z7 c'est Z10. Voilà, ça c'est une première solution. Ensuite, je vais dupliquer ici. Je vais chercher Z8 et Z11. Que le conjugué de Z11 et Z8, voilà. J'ai la deuxième racine et la troisième. Bon, la troisième, j'ai pas besoin parce que c'est 1. Donc c'est Z9 et Z12. Conjugué de Z9, c'est Z12. Qui sont les racines troisième de 1, hein? Voilà, de l'unité, les trois racines troisième de l'unité. Voilà, et là, vous avez les trois racines complexes. Ouais, alors à ce moment-là, je peux avoir toutes les racines complexes que je veux. Bon, c'est la courbe, non pas. Laquelle couleur? C'est pas celle en rouge. Si, c'est celle en rouge. C'est celle en rouge. Celle en rouge. Donc, je vais retirer celle en mauve. Voilà, ça s'exclut moins 1. Voilà, et donc là, j'ai toutes les racines. Donc, Z10. Z13, Z14, Z15. Z14, Z5, Z13, Z14, Z5, Z4, Z15. Donc c'est la même chose, hein. Vous voyez que.
Toutes les racines sont ici, qu'elles soient réelles ou complexes. Ben, j'ai utilisé Cardan. Donc, les formules de Cardan, bien sûr, qui sont ici, hein. Voilà. Voilà. Là, j'ai pris, quel que soit, j'ai toutes les réponses. J'ai toutes les réponses. Mettre des négatifs dans P. Alors je descends. C'est vrai qu'ici, il faut réadapter. Toutes les solutions sont réelles. T'as donné justement la discussion sur le delta. Eh bien, vu que j racine carrée de j, i, il est. Ici, le i négatif. De toute façon, on peut pas réadapter comme on veut. Je peux pas mettre racine delta. Si delta est négatif, alors une solution est réelle. Les deux autres, voilà, j'ai mis moins delta, mais les deux autres sont complexes. Effectivement. Ici, on a trois réels, c'est ça le problème. Donc, je n'obtiens pas trois réels. Mais ici, c'est vrai que j'ai une solution réelle et deux complexes. Deux complexes avec le delta négatif. Que j'ai rendu positif, hein, en prenant moins delta. À 86 moins 0,57 moins 0, ça c'est bon ça. Voilà, ici donc la solution elle est valable si vous voulez quand on a un réel et deux complexes conjugués. Voilà. Il faut réadapter pour avoir trois réels, il faut réadapter, on va dire ça comme ça. Il faut réadapter. Ici j'ai travaillé uniquement pour un réel et deux complexes.
Du moment que j'ai un réel et deux complexes, bon, je les aurai toutes les solutions. Voilà. Mais sinon, je dois réadapter les écritures pour avoir trois réels. Moins 2, 15, 1, 0, 8, moins 3, 24. Moins 2, 15, 1, 0, 8, moins 3, 24, donc c'est bon. Oui, comme je disais ici, 1, 0, 8, moins 3, 24, 1, 0, 8, moins 3, 24, 1, 0, 8, plus 3, 24, 1, 0, 8, plus 3, 24, et moins 2, 15. Donc, oui, donc ici, quand on a chaque fois une solution réelle, ça c'est valable quand on a. Voilà, il faut réadapter pour avoir trois solutions réelles. Il faut réadapter. Moi, je le verrai, parce que c'est vrai que je l'ai fait pour. Voilà. Uniquement pour ça, pour ce cas de figure-là. Je vous rappelle que je vais étape par étape, hein. Je ne fais pas tout en une fois parce que justement l'astuce elle est là, c'est de bien voir ce qui s'y cache derrière, hein, ces formules-là. Il ne faut pas tout mélanger parce qu'on peut tout mélanger. Je vous rappelle qu'on peut avoir des équations du type. Tout d'abord, on peut avoir une solution réel et deux complexes. Ça, c'est le cas que je viens, cas de figure que je viens de faire. Un réel et deux complexes, et ces deux complexes, ils sont conjugués. Z et Z bar. Maintenant, on peut avoir trois réels. Ça, je le verrai plus tard. Voilà. Et bien sûr, on peut avoir l'équation du style. X cube. Alors, je peux mettre Z quand c'est comme ça. On ne sait jamais ce qu'on va avoir comme réponse. Donc, x est un coefficient réel et z c'est un coefficient complexe. Mais on ne sait pas ce qu'on va avoir comme racine. Donc, vous pouvez mettre x, c'est bon. Ça peut être complexe ou réel. Alors, s'il y aura des complexes, c'est ça. Sinon, on a trois réels. On ne sait jamais ce qu'on va avoir au départ. Donc, plus p, x, plus q égale 0. On peut avoir ceci. On peut avoir x cube est égal à px plus q. Oui, la formule, c'est. Pas voilà, c'est pas la même chose. Bon, en tout cas, vous voyez qu'on peut avoir ici un réel et deux complexes par la formule que je vous ai donnée. Je vous remercie.